Saturé dans le noir par Ed Young. Un jour près d'un mâle, saturé, aveugle, découvrit une chose étrange. Qu'est-ce que c'est? S'exclamèrent elles. Et elles se sauvèrent chez elles en courant. Le lundi, Souriceau Rouge chercha le premier à en savoir plus. C'est un pilier, dit-il. Personne ne le croit. Le mardi, Souriceau Vert fut le deuxième à s'interroger. C'est un serpent, affirma-t-il. Le mercredi, Souriceau Jaune répondit. Non, c'est une lance. Il était le troisième à donner son avis. Le quatrième fut Souriceau Violet. On était jeudi. C'est une falaise, assura-t-il. Souriceau Orange, qui était le cinquième, y alla le vendredi. C'est un éventail, cria-t-il. Je l'ai senti bouger. Le sixième était Souriceau Bleu. Le samedi, il constata « Ce n'est rien qu'une corde. » Mais les autres n'étaient pas d'accord. Ils commençaient à se disputer. Un serpent, une corde, un éventail, il fallait jusqu'au dimanche où Souricette Blanche, la septième souris, se rendit près de la mort. Quand elle arriva au pied de la chose, elle y grimpa en courant. Puis redescendit de l'autre côté. Elle escalada le sommet et le parcourut d'un bout à l'autre. Ah! S'écria enfin Souriceau Blanche. Je vois maintenant. Qu'est-ce qui est solide comme un pilier, souple comme un serpent? Pointu comme une lance, haut comme une falaise, frémissant comme un éventail, effiloché comme une corde, c'est... un éléphant! Les six souriceaux grimpèrent en courant d'un côté, redescendirent de l'autre. Parcoururent la chose d'un bout à l'autre. Alors ils furent convaincus. Maintenant ils voyaient eux aussi. Telle est la morale des souris. Savoir un peu est mieux que rien. Mais le sage ne connaît vraiment que ce qu'il a vu en entier.